الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et mes sœurs, j'espère que vous allez bien, qu'Allah vous protège. Ça y est, le mois de Ramadan il est venu. Alhamdulillah. La Nirma, j'espère que beaucoup d'entre vous pourront le passer dans les pays musulmans. Ah, je me rappellerai toute ma vie, tous mes ramadans que j'ai passés dans les pays musulmans et ceux que j'ai passés en France. Mais chez Kif Kif. Eh ouais, regarde. Ah, bon, ça commence à faire deux ou trois vidéos que je passe sur le ramadan en Algérie. Eh ben, vais. Toujours pareil. Quelques jours avant, tu le ressens le ramadan. C'est dans l'odeur de l'air. Tu sens que les gens, ils sont déterminés. Ils ont faim. Donc du coup, là, je suis parti acheter 4 bricoles. Bon, aussi, point négatif, dans les magasins, ils sont complètement, des fois, ils ont un grain. Comme elle a rappelé ma belle-mère, le ramadan, c'est pas pour faire des tables monstrueuses, 4 km de nourriture. Non, nous, ramadan, bi'ithnillah azza wa jal, c'est pour augmenter la piété. Et en fait, c'est un grand bien. Tu vois, chez les gens, ici, ils font beaucoup, beaucoup d'efforts. Rien que dans la préparation. Moi, je vois l'imam de ma mosquée et tout. Il est à fond. Ils ont tous nettoyé les tapis, tout ça. Il y a une ambiance. Il y a une ambiance qui monte. Il y a des salles exprès pour les femmes, pour le Tarawih. Elles vont se régaler. On est en train de leur faire des salles et tout. Franchement, c'est la bombe atomique. Et ça contraste largement avec ce que j'avais pu ressentir en France. Lors de mes ramadans en France, déjà, on en a fait beaucoup l'été. Et l'été, nous, en France, on était tout seuls, hein, parce que les musulmans, ils étaient tous partis. Allah est belle, ils étaient tous partis. Et des fois, je me retrouvais dans la rue, en camis et tout. J'étais solo. Vous étiez où, mes frérots? Du coup, je vais vous raconter quelques anecdotes qui étaient pourries quand j'étais en France. La première... c'était une fois, je travaillais en intérim, tu le sais, déménagement, je devais déménager des lits dans un internat. Oh, j'avais soif, j'étais KO technique, zéro cadeau. Il y avait l'ascenseur, il nous avait même pas ouvert l'ascenseur. On devait tout faire à pied, tout monter à pied. Les agences d'intérim, ils te mettent la pression, tu sais, pour que tu finisses. Ah oui, désolé, hein, je passe du coq à l'âne. Là, donc, la vidéo, c'est Koudja, une sorte de foire où tous les musulmans et les musulmanes, ils viennent, ils font un petit peu, ils achètent 2-3 bricoles. C'est pas forcément moins cher, mais voilà, ceux qui connaissent un petit peu l'Algérie, on n'a que des petits hanouts, et là, c'est un grand centre qui réunit tous les petits hanouts. Donc, des fois, c'est sympa. Même si dans les commentaires, il y en a qui vont souligner que c'est les pires endroits et barakallahu fikoum, c'est vrai. Bref, je reviens au Ramadan. Quand je travaillais donc en intérim, j'étais à Angoulême, hein, Angoulême au milieu des koufars. Zéro cadeau, c'était l'été, il faisait très chaud. Et donc, bien sûr, sans compter qu'ils parlent mal, qu'ils boivent devant toi, ils mangent devant toi. Mais bon... Alhamdoulilah, hein, on pleure pas, on était là, voilà, on le faisait normal, hein, on pleure pas. Parce que nous, quand on rentrait le soir, c'était la fête, hein, pendant un mois, c'est la fête. Et ouais, sinon, il y avait quoi? Une fois, j'étais en maçonnerie, je suis parti chez mon patron, il avait une île, vers Angoulême, là-bas. Et mon patron, il avait une île. Il faisait chaud, hein, en plein milieu sur l'île, Fada. Oh, j'ai failli craquer. Il y avait une source, l'eau, elle était fraîche. Et nous, on devait refaire... je crois, une sorte de coffrage. Sur son garage, c'était une sorte de coffrage. On devait refaire le coffrage. Et même, il faisait trop, trop chaud. Bon, et il faut savoir, pour ceux qui connaissent un peu les chantiers, que ce soit en maçonnerie ou ailleurs, si tu n'as pas une bonne place, on te parle comme un moins que rien. On te parle comme un chien.
C'est comme ça. En tout cas, en France, c'est comme ça. Si tu n'as pas une bonne place dans la maçonnerie ou sur un chantier de placo ou quoi, si tu n'es pas bien calé, on va te dire, ah, va me chercher ça, va me chercher ça. C'est toi le pigeon, tu vois, tu es un gros pigeon. Du coup, ça m'avait tarpé marqué. Ouais. Et là, donc sinon, le dernier Ramadan que j'ai fait, c'était pendant le Covid que j'ai fait en France. C'était pendant le Covid, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oh, franchement, c'était le top. C'était le feu, le feu, le feu. On faisait toute la journée et tout, on était bien, on faisait talaouais à la maison, le soir et tout. Je ne sais pas si vous vous rappelez, obligé, vous vous rappelez de celui-là et tout. Et à la fin, il commençait à se terminer et on m'avait envoyé pareil sur un chantier en Vendée, pareil, au bord de mer. C'était le mois de mai, je pense, un truc comme ça. Un mois de mai, bo bord de mer, dans une caserne militaire, en forêt. Il y avait la mer et la forêt et la caserne militaire, une énorme caserne militaire. Et là, pendant le Covid, je ne sais pas si vous vous rappelez, les animaux, ils avaient repris leurs droits partout. Et il y avait plein de serpents. Il y avait plein de serpents. Et je travaillais avec les koufars et tout. Et ils me disaient, vas-y, toi, tu vas travailler là-bas. Et moi, déjà, j'étais dégoûté parce que Ramadan, j'avais passé tout le début, voire jusqu'à la fin, avec ma famille et tout, à la maison, à lire le Coran et tout. Enfin, c'était vraiment sensationnel. Et subhanallah, en fait, ça fait tilt dans ma tête. Je suis vraiment allé avec des serpents. Les serpents, les koufars, et les serpents, les vrais serpents. Voilà. Et quand j'arrive à mon poste, le chef, bah, il rendait fou. Il me dit, ouais, va travailler là-bas, machin. Et l'autre qui était avec moi, il m'a dit, oh, j'ai vu un serpent là où tu travailles et tout. Il y avait une sorte de lino enroulé. Et le serpent, il était dedans. Et quand je suis arrivé, je l'ai vu, le serpent. J'ai dit, c'est mort, c'est mort. J'ai voulu le prendre la vidéo et tout, tellement que j'ai eu peur, j'ai pas réussi à filmer. Allahu Akbar. Donc, pour ceux qui m'ont dit que j'étais courageux, eh ben, je vous promets, hein, j'étais le premier à partir, j'avais trop peur. Ouais, donc du coup, le soir, en plus, je dormais dans une ferme, et là, ceux qui ont des bons souvenirs, ils vont se rappeler. Je dormais dans une ferme, bon, une méchante ferme et tout, à côté des chevaux. Et c'était la période, ceux qui vont se rappeler, hein, où les chevaux, ils se faisaient mutiler. Les animaux, ils se faisaient mutiler dans les fermes. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette période. Bien sûr, on a oublié, mais il y a les preuves, hein, il y a toutes les preuves. Et moi, je dormais à côté des chevaux. Franchement, je n'étais pas bien. Ouais, parce que j'étais en déplacement. Et le soir, en plus, je devais aller manger. Il y avait juste un camping d'ouvert. Donc du coup, je devais aller manger au camping. Camping en France, ben voilà, ils pratiquent pas trop la sunna, vous connaissez. Eh ouais, du coup on a galéré. Donc imagine mon bonheur, maintenant que je suis là, imagine mon bonheur à être au milieu de mes frères, au milieu de mes sœurs. Et j'en profite largement, parce que moi, pour vous dire de venir en Algérie, mais moi je vous dis de venir fi sabilillah. Parce que l'Algérie, c'est en train d'évoluer. Donc, il y en a beaucoup qui commencent à se poser des questions pour revenir et tout. Mais si tu ne reviens pas pour Allah, ton retour, il ne va pas durer longtemps. C'est malheureux. Mais si tu ne fais pas les choses pour Allah, et ça, moi, je suis le premier concerné, hein, ton retour, eh ben, il va durer, voilà, et tu vas faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça va te saouler, tu vas dire, ah, c'est bon, ciao, je me taille, je rentre en France et c'est bon. Donc, faut réellement, quand tu es là, c'est un rappel pour tout le monde et pour moi en premier, quand tu es là, c'est vraiment pour satisfaire Allah Azawajel. Là, regarde, mashallah, les épices, les olives, Inch'Allah, qu'Allah vous facilite de bien manger à tout le monde. Mais ouais, je demande à Allah Azawajel qu'il mette la douceur dans les cœurs des musulmans. Et d'ailleurs, pour ceux qui tiennent encore jusqu'au bout, je voudrais m'excuser pour tous les frères et les sœurs où j'ai mal répondu, où j'ai répondu tardivement, où j'ai répondu succinctement. Enfin, je demande à tous mes frères et sœurs de me pardonner. Inch'Allah, pardonnez-moi. Et trouvez-moi des excuses. Je suis une créature faible, faible. Je crois que je suis le plus faible d'entre vous. Donc trouvez-moi des excuses, Inch'Allah. Je vous dis, Shahr Mubarak, qu'Allah Azawajal vous préserve et vous facilite ce mois. Qu'Allah il augmente vos œuvres pieuses. Qu'il alourdisse votre balance d'œuvres pieuses. حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون
هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا